Ça va très bien, ça va très bien. J'ai eu quelques heures pour me remettre de l'amérissage cette fois-ci, qui s'est bien passé. Puis la deuxième fois, avec un peu plus d'habitude, on revient en forme encore plus rapidement, donc tout va bien. J'ai envie d'une bonne douche, je pense, premièrement. Et ça, c'est une expérience qui va être un peu spéciale, je pense, parce que dans la station, évidemment, dès qu'on joue avec l'eau, ça part un peu dans tous les sens. Et là, de voir toutes les gouttelettes d'eau qui vont tomber dans le même sens, ça va être un peu comme dans un film de science-fiction. Mais oui, de ça, peut-être des nourritures terrestres, et puis une bonne nuit dans un bon lit, un café, un petit déjeuner, et puis ensuite, il va falloir se remettre au boulot. Ouais, un petit morceau de fromage. On a eu du fromage un peu dans la station, mais pas quand même comme ce qu'on peut avoir ici. Il va falloir que, quelque part, j'ai pas tellement le temps de la regarder dans le rétroviseur, cette mission. On a tellement la tête dans le guidon, mais je pense qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. On a quand même fait des sorties extravéhiculaires qui étaient sans doute parmi les plus spectaculaires que moi j'ai vues, non pas seulement celles auxquelles j'ai participé, mais que j'ai vues tout court. On est quand même allé tout au bout de la station installer des panneaux solaires de 17 mètres. Ah ben, on était déjà en train de s'envoyer des textos dans l'avion, alors comment ça va, etc. La tête qui tourne, c'est vraiment devenu une famille en fait. On a vraiment tout vécu ensemble pendant 6 mois. C'est vraiment des gens que j'aime énormément, que j'admire énormément. Et ben, on va se retrouver très rapidement, on parlait déjà de ça, hein, de se retrouver, moi je retourne le 6 décembre je crois à Houston. Tout le monde a prévu de venir en France parce que évidemment j'aurais rebattu les oreilles avec la France, le fromage, etc. Donc...